Salut à tous et à toutes, c'est Norfusion. Comment allez-vous? Moi je vais bien, Nor évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve pas sur Minecraft, mais sur mon PC, sur mon bureau. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer le mode Fast View et Multiplayer List, qui sont les modes les plus simples pour moi à installer. Donc on va commencer déjà avec Multiplayer List. Donc moi je suis déjà sur internet. Voilà. Donc voilà. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est Minecraft France qui j'étais dans Mods. Voilà, pour ceux qui veulent plus se débrouiller, c'est dans Amélioration de Minecraft Mods. Ensuite, alors on va sur Multiplayer List. Vous cliquez sur Multiplayer List, qui est un mode assez pratique, que je vais vous expliquer tout de suite. Plutôt vous allez voir en réel. Je préfère mettre sur YouTube, vu que ne doit pas être sur YouTube et que ça va être en anglais, je pense, je suis pas sûr. Donc, vous téléchargez, vous cliquez sur Multiplayer List. Vous serez sur cette page Mediafire. Click here, machin, chose. Ensuite, ouverture de Multiplayer List. Enregistrer le fichier, ok. Alors, pour moi, le fichier sera téléchargé. Voilà, ça télécharge. Pour moi, vu que j'ai Mozilla Firefox, le fichier est téléchargé directement dans téléchargement. Après, vous pouvez choisir si vous avez Internet Explorer 9, puisque je l'avais avant, vous pouvez choisir dans le bureau. Donc ensuite, on va mettre sur le bureau. Voilà. Alors, ensuite, vous tapez... %appdata%. Vous serez sur roaming, vous allez sur .minecraft, vous allez dans bin et vous cliquez sur Minecraft. Donc ensuite il faut avoir une rare dont le site que je vous mettrai dans la description aussi, je pense. Ensuite, on supprime MetaInf, puisque sinon vous ne pouvez rien changer sur Minecraft. Je tiens à préciser que ces modes peuvent être considérés comme un cheat, mais moi je ne considère pas ça comme un cheat. Donc ensuite, vous ouvrez Multiplayer List et vous aurez ceci. Donc, vous sélectionnez les 4 fichiers ainsi et vous les transporterez sur Minecraft tout simplement comme ça. Ensuite, vous faites OK. Et voilà. Donc, on va voir le résultat. J'ouvre Minecraft. Voilà. Ensuite, Minecraft. Alors, login. Ce mode est plutôt simple. Multiplayer List. Et voilà. Donc, del pour supprimer les serveurs factions. Yes. Edit pour les modifier. Par exemple, le serveur Clémad. Voilà. Voilà, il a été changé. Enfin, après, vous mettez Connect. Et Add pour ajouter les serveurs. Donc, vous dites le nom, par exemple, le Norfusion, Team Naufrage, Tuto. Voilà. Vous mettez l'IP ce que vous voulez, 27. Ce que vous voulez. Vous faites Connect. Et vous aurez ça, vous aurez plus qu'à cliquer dessus pour être sur l'IP. Donc par exemple, Survivor Naufrage, hein, qui est l'IP. Hop, je me connecte directement. Mais vu que j'ai enlevé le serveur pour l'instant. Donc voilà. Donc ça c'était le mode Multiplayer List. Maintenant je vais vous expliquer comment télécharger Fast View, qui est, je le précise, plus pour les commentateurs youtubeurs. Donc Fast View, voilà, hein, juste en dessous. Vous cliquez sur mode Fast View et c'est pratiquement pareil. Vous n'avez qu'à... Bon, je sais que je suis sérieux là. Je vais faire le maximum plus sérieux. Vous cliquez sur téléchargement Fast View et normalement, je dis bien normalement, vous serez sur pareil, hein, sur Mediafire, où sera Fast View 100 66.zip.
Donc voilà. Ellipse. Donc revoilà, c'est la fin de l'ellipse. Désolé, c'était mon téléphone qui avait sonné. vu que je parlais tout ça en live. Donc voilà. Donc ensuite on clique sur ça. Sur et clique sur start. J'enregistre le fichier. Ok. Et bon, ça va être le même. Oui, parce que j'avais déjà filmé, mais j'ai raté. Donc voilà, vous êtes sur FaceView. Au lieu d'aller dans, comme j'ai fait pour Multiplayer List, je clique tout simplement dessus. Pour ceux qui ont Mozilla Firefox. Ok. Ensuite, vous refaites ça. Pourcent, hop, tata, pourcent. Vous allez sur quoi, Minecraft. Bin. Et Minecraft. Ok. Donc ensuite, vu qu'on a déjà supprimé Meta-Inf pour Multiplayer List, vous pouvez faire la même chose mais à l'envers. Qu'est-ce que je dis moi? N'importe quoi. Donc, je prends le fichier qui est dans FaceView et je le mets dans Minecraft.jar. Donc voilà, ensuite je mets OK. Donc voilà, j'ai FaceView. Et donc, pour un raison de problème, pour une raison certes, je coupe et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Rebonjour à tous et à toutes, c'est Norfusion. Une petite excuse que en fait en essayant de mettre le mode en essayant de mettre vous expliquer comment marche FaceView, et ben ça a planté. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre une autre vidéo dans la description qui sert à aller, c'est la petite vidéo explication de FaceView. Je vous invite à aller dans la description de l'épisode. Dans la description ouais, de l'épisode, et cliquez sur là où c'est marqué suite de la vidéo explication FaceView. Alors merci à tous.